Aujourd'hui, on vous lit Pipe et Prune, le sapin de Noël. C'était bientôt Noël. Pipe et Prune avaient trouvé un beau et grand sapin. Ils l'installèrent dans le salon, dans un gros pot rouge. Puis, ils préparèrent de jolis sablés pour décorer le sapin. Ils accrochèrent les biscuits. C'était très réussi. Prune alla chercher les sucres d'orge. Mais quand elle revint, l'un des sablés avait disparu. « C'est bizarre, » dit-elle. « Il y avait 5 biscuits. Et maintenant, il n'y en a plus que 4. » 1, 2, 3, 4, 5. Et là ? 1, 2, 3, 4. Oh ! Prune alla chercher des cloches en chocolat, pendant que Pipe accrochait les sucres d'orge. Mais quand Prune revint, elle vit tout de suite que l'un des sucres d'orge avait disparu. « Ça alors, » dit-elle, « il y avait 4 sucres d'orge, et à présent, il n'y en a plus que 3. » Enfin, Prune alla chercher l'étoile dorée, et Pipe s'occupa des cloches en chocolat. Mais quand Prune revint, il ne restait plus une seule décoration dans le sapin. Oh là là ! Mais moi ! Prune trouva Pipe allongée sur le canapé. « Tu ne te sens pas bien, Pipe ?» demanda Prune. « Non, dit-il, j'ai mal au ventre. » « Pauvre Pipe !» Prune lui apporta un verre d'eau. « Je suis désolée, dit Pipe, j'ai mangé toutes les décorations. » « Oui, j'ai vu !» dit Prune. Ils décidèrent de sortir dans le jardin pour prendre l'air. Pipe se sentait déjà mieux. Quand ils rentrèrent, le sapin leur parut un peu vide. « Et si on fabriquait des décorations en papier ?» proposa Pipe. « Bonne idée !» dit Prune. Alors ils se mirent à découper des guirlandes, des étoiles et des cœurs en papier. C'était vraiment magnifique. Le lendemain matin, Pipe et Prune découvrirent des cadeaux colorés au pied du sapin. Ils décidèrent d'ouvrir les plus petits en premier. Prune reçut une jolie paire de ciseaux à pois et Pipe, une brosse à dents arc-en-ciel. « C'est exactement ce qu'il me fallait !» dit Pipe. « Youpi !» « Joyeux Noël !» Pipe et Prune.